So it's really my pleasure today to introduce Fabien Locher, who's standing right here behind me, and now feels like he's in a set of an American movie production of some kind, being in this theater in the West. He's actually a native of the bustling and vibrant southern city of Marseille in the south of France, and he is a researcher at the École des Hautes Études en Sciences Sociales in Paris, where he also received his doctoral degree. Dr. Locher is the author and co-author of numerous books, including Le Savant et la Tempête, Étudier l'atmosphère et prévoir le temps au 19e siècle, Introduction à l'histoire environnementale, Posséder la nature, environnement et propriété dans l'histoire, and finally, my favorite title, Les Révoltes du ciel. Une autre histoire du changement climatique, which is forthcoming with Seuil Press. So really impressive list of publications for such a young scholar, so it's really amazing. So when I first thought about which French person I'd like to invite to Bozeman to give this talk, I immediately thought of Fabien Locher. His approach to French history is as dynamic as the rebellious skies that he is writing about. So he is not one to limit himself to a single type of archive or a narrow set of questions. Rather, his work combines environmental history, the history of science, and social and cultural history in a manner that is not only elegant, but it is refreshing and it is exciting. So today, Dr. Locher will be speaking to us about the history of climate thinking in modern France. We tend to think of the political and the environmental concept of a climate crisis as a recent phenomenon. Dr. Locher, however, has persuasively argued that the French have in fact been worrying about human-induced climate change for a long time, since at least the 18th century. So while Greta Thunberg, who many of you have heard about, and the activists from the so-called climate generation have brought much-needed attention to the enormous challenges facing our planet, Fabien Locher shows us that we too, as historians, have a critical role to play at this moment in our global history. So please join me in welcoming Fabien Locher. Thank you. So first I want to say that I'm very happy to be here and to give this talk in this beautiful place. And I would like to thank the Western Society for French History and especially Catherine for this invitation. Alors je vais parler aujourd'hui en français. Je vais essayer de parler clairement et si je m'emballe et si je parle trop vite, je vous demande de m'arrêter dans mon élan. Je vais vous parler aujourd'hui d'une enquête au long cours que j'ai menée depuis plusieurs années déjà avec mon collègue Jean-Baptiste Fressoz sur la question du changement climatique comme enjeu politique, construction culturelle, comme objet savant dans la France des 17e au 19e siècle. Vous verrez que le changement climatique que je vais évoquer aujourd'hui n'a rien à voir avec le changement climatique, enfin a peu à voir avec le changement climatique causé par le CO2, celui qu'on connaît et celui qui est dénoncé par les savants, les médias et par les sociétés civiles du monde entier. Le changement climatique qui obsède les hommes des 18e et 19e siècles, surtout, c'est un changement climatique qui vise le cycle de l'eau. Le dérangement de ce cycle de l'eau, dérangement d'un cycle de l'eau qui provoque des sécheresses, des inondations, des étés pourris, des désastres de toutes sortes. Un dérangement du cycle de l'eau qui est causé, on va le voir, par la déforestation. Mais pour comprendre ces anxiétés, il faut d'abord remonter à l'époque moderne, au début du XVIIe siècle, dans un autre contexte qui n'est pas le contexte de la France métropolitaine. Dans les années 1600, sous l'impulsion de Henri IV, des villes sont fondées en Nouvelle-France, les villes de Québec et de Port-Royal. Dans ces villes, des voyageurs vont élaborer des visions du monde, des conceptions du climat qu'ils vont rapporter à Paris. Deux personnages m'intéressent particulièrement, un avocat, Marc Lescarbot, un révérend père jésuite, le révérend père Billard. Dans les années 1600, ils publient tous deux une relation de la Nouvelle-France, une description de la Nouvelle-France, des descriptions de la Nouvelle-France qui vont être très influentes par la suite pour façonner l'image du Canada dans le contexte parisien. Ce sont des discours de souveraineté.
Qu'est-ce que nous disent l'escarbot et Billard? Ils nous disent que voilà, la France a légitimité à coloniser ces terres. Pourquoi est-ce que la France a légitimité à coloniser ces terres? C'est parce que, comme le dit Billard, le Canada est sous les climats et parallèles des pays et royaumes de France. Et là, Billard utilise en fait le terme de climat dans le sens cosmographique du terme pour dire que la France et la Nouvelle-France sont sous la même latitude. C'est le concept grec de climat, le climax, cette zone que décrit à la surface du globe deux lignes de latitude données. Mais Billard et l'escarbot vont plus loin car pour eux, même climat cosmographique signifie même climat physique. Même saison, même degré du chaud et du froid, même sécheresse, même dureté des hivers, même présence des pluies. Alors ça a une conséquence très importante parce que ça fonde la souveraineté française sur ces terres de façon encore plus forte. Et puis ça dit quelque chose de très fort pour des gens qui vivent dans le monde intellectuel de Jean Bodin. Jean Bodin qui au siècle précédent avait insisté sur le fait que la nature des lieux conditionne la nature des hommes. Dire que les climats de la Nouvelle-France et de la France sont les mêmes, ça veut dire que les Indiens, dans le futur, pourront adopter les mêmes mœurs que les Français. Ça veut dire que les colons pourront s'acclimater en Nouvelle-France. Ça veut dire qu'on a un horizon radieux pour la colonisation de cette partie du Canada. Alors il y a un problème énorme, massif, qui est bien connu à Paris depuis les récits de la deuxième expédition de Jacques Cartier. Et ce problème, ce sont les hivers canadiens. Comment expliquer que l'hiver de Québec n'est pas l'hiver de La Rochelle? C'est dans ce hiatus, dans cette brèche, dans le discours de la souveraineté, que va s'engouffrer le discours sur le changement climatique anthropique causé par l'homme. Pourquoi? Parce que Billard et l'escarbot le disent très bien, ce qui cause le climat rude du Canada, ce sont les forêts qui sont partout et qui mangent le paysage. L'immensité des forêts fait la dureté des hivers canadiens. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en coupant des arbres, en défrichant, en mettant en culture, la colonisation va pouvoir améliorer le climat de la Nouvelle-France et rendre le climat de la Nouvelle-France identique à celui de la France. Alors, il y a deux, ça renvoie à deux formes d'usage des terres canadiennes alternatives que ne veulent pas l'escarbot, que répudient l'escarbot et Billard. Premièrement, l'usage des Indiens. Les Indiens, ce sont ceux qui n'ont pas su civiliser la Nouvelle-France. Ce sont ceux qui ont continué à vivre dans les bois, qui n'ont pas défriché et qui donc n'ont pas amélioré leur climat. Et on retrouve là un discours en fait d'appropriation qui est bien connu pour la Nouvelle-Angleterre de la même époque et qu'on retrouve sous la plume d'un John Locke lorsqu'il écrit et il fait sa théorie de la propriété en ayant en tête le cas de l'Amérique du Nord. Puisque cette terre est en état de vacances, puisque ce climat est dans un état de vacances, alors on a légitimité à se les approprier. La deuxième forme d'usage des terres canadiennes qui est refusée par Billard et l'escarbot, c'est une colonisation qui passerait simplement par la pêche et la traite des fourrures, c'est-à-dire une colonisation qui ne serait pas une colonisation de peuplement et de mise en culture. En fait, ce sont des militants, Billard et l'escarbot, d'une trajectoire de colonisation particulière qui implique la venue depuis la France de cultivateurs qui s'installeraient définitivement en Nouvelle-France. Alors ça va se répandre au XVIIe siècle avec dès 1634 un livre du révérend père jésuite Le Jeune qui va indiquer que ça y est, on a les premiers indices tangibles d'une amélioration climatique au Canada. En 1672, Nicolas Denis, un entrepreneur colonial, écrit à Paris un pamphlet de promotion de la colonisation et il écrit, je cite, « Québec a deux mois d'hiver en moins qu'il n'avoit avant que les terres y fussent défrichées. » Et donc c'est un constat clair du fait que le défrichement, la colonisation, a d'ores et déjà changé le climat de la Nouvelle-France. Au XVIIIe siècle, ce discours de promotion de la colonisation, qui est aussi un discours de la souveraineté, va se répandre dans le milieu scientifique. Dans les années 1740, Duhamel du Monceau, grand spécialiste de la foresterie et de l'agronomie, correspond avec un médecin, Jean-François Gautier, qui est médecin du roi à Québec, ce Jean-François Gautier, Duhamel du Monceau, lui demande de faire des observations météorologiques pour documenter par des chiffres le changement climatique en cours. Jean-François Gautier a un baromètre, un thermomètre, qu'il a comparé avec les baromètres et thermomètres standards de l'Observatoire de Paris, avant son départ. Et il envoie des données à Duhamel du Monceau, qui dans l'enceinte de l'Académie des sciences,
des sciences présentent des indices, des preuves, d'après lui, chiffrées du changement climatique en Nouvelle-France. Pierre-François-Xavier de Charlevoix, qui est peut-être connu par ceux d'entre vous qui travaillent sur le Canada, un personnage très important pour façonner la représentation du Canada, un jésuite lui aussi, va populariser encore cette conception d'un changement climatique lié à la colonisation. Mais la personne la plus importante dans cette histoire, celui qui a écrit l'un des grands best-sellers du siècle des Lumières, le grand naturaliste de son temps, celui qui va ancrer la question du changement climatique anthropique au cœur de la culture des Lumières, c'est une autre personne, c'est Buffon. Buffon qui, à partir de sa notice sur l'élan et le renne de 1764, va commencer à parler du changement climatique. Il a lu Charlevoix, il a lu Biard, il a lu l'Escarbot. Et sa thèse est que vraiment, eh bien, l'homme est aux commandes du climat. Alors il le dit très clairement, la Gaule, il y a 2000 ans, était exactement ce qu'est le Canada aujourd'hui. Aller au Canada, c'est voyager dans le temps. C'est se rendre dans un pays qui n'a pas été encore civilisé du point de vue agricole ni climatique. Et il cite l'empereur Julien qui, au IVe siècle, décrivait les hivers de Paris de façon tout à fait analogue à ceux de Québec aujourd'hui. Donc on voit là comment le discours de la colonisation et de la souveraineté sert aussi à penser le processus de civilisation de l'Europe elle-même en retour. Les Européens civilisés auraient réussi à civiliser leur climat, civiliser leur continent. C'est ce qui resterait à faire au Nouveau Monde. Et alors la septième époque de Buffon, c'est aussi la période de l'homme, c'est pour ça que je l'ai indiqué que c'est l'anthropocène buffonien. C'est le moment où l'homme est aux commandes, hein, la septième époque, celle de 1778, décrite par Buffon dans les époques de la nature. L'anthropocène buffonien, c'est une période de temps, hein, durant laquelle les nations civilisées, dit-il, si elles ne se font pas la guerre, pourront réussir à modifier les influences du climat qui l'habite, s'agissant de l'homme, et en fixer, pour ainsi dire, la température au point qui lui convient. Donc il y a vraiment l'idée d'une géo-ingénierie, on pourrait dire, climatique, chez Buffon. Une sorte de dimension prométhéenne de l'agir humain sur le climat. Alors, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, c'est que ça nous désigne aussi une hiérarchisation des sociétés. Parce que ce que dit Buffon aussi, c'est que les petites nations sauvages d'Amérique et d'Afrique, elles, sont incapables de mettre en valeur leurs terres et n'ont pas civilisé les climats. C'est donc un constat d'incapacité qui rejoint le discours sur la vacance dont j'ai parlé tout à l'heure. Ces nations d'Afrique et d'Amérique, elles ont un rapport à la nature qui est un rapport très simple, qui ne passe pas par l'exploitation et qui ne passe pas par la mise en valeur. Mais il y a pire, les nations au quart policé, celles d'Orient, qui sont de vrais fléaux de la nature, dit Buffon, et qui, elles, auraient été en capacité d'améliorer le climat, mais ne le font pas, et au contraire, pillent la nature du fait de leur fatalisme, du fait de leur goût de la violence, du fait de leur incapacité à agir. Et ce qu'on a là, c'est ce qu'avec Jean-Baptiste Fressoz, on a appelé l'orientalisme climatique, c'est-à-dire la naissance d'un discours qui hiérarchise les sociétés en fonction de leur capacité à transformer les climats. Par ailleurs, Buffon a une théorie du climat plus complexe, je ne vais pas y revenir ici, mais il pense aussi que la Terre est en train de se refroidir sous l'effet de mécanismes spontanés. La Terre, dit Buffon, est un morceau de soleil qui a été arraché et qui est en train de se refroidir. Et je vous ai indiqué là une image hein, des pôles terrestres qu'on trouve dans l'histoire naturelle. Buffon explique que les glaces polaires sont en train de croître et vont à terme engloutir tout l'espace terrestre. Donc, faire du changement climatique anthropique, c'est lutter aussi contre ce processus inévitable mais qu'on peut peut-être retarder jusqu'à l'infini. J'ai indiqué aussi cela pour vous me dire quelque chose, c'est que, à notre sens, en tout cas avec Jean-Baptiste, le XXe siècle n'a pas le privilège épistémologique de la globalité. Buffon, dès l'XVIIIe siècle, pense le climat à l'échelle de la planète. Mais je pourrais y revenir plus longuement. Un orientalisme climatique, donc un opérateur de hiérarchisation, mais malgré tout, toujours cette idée chez Buffon, quand même, on est dans l'optimisme climatique, l'optimisme de l'amélioration. Et la foi dans la capacité de l'homme, alors je l'ai indiqué, blanc, européen, civilisé, c'est-à-dire français,
britannique, pour Buffon français, pour ses contemporains britanniques, britanniques. Bref, c'est le discours classique hein, de la civilisation qui ne, n'aurait trouvé de point d'ancrage qu'en Europe, mais un discours optimiste. Il y a un espace-temps qui, au même moment, va consacrer une autre figure du changement climatique, une figure beaucoup plus inquiétante, un lieu qui va être un lieu laboratoire pour les anxiétés climatiques du siècle à venir, du 19e siècle. Et cet espace, c'est l'île de France, l'île Maurice, qui à ce moment-là, est sous la domination française. Dans les années 1760-1770, à l'île de France, à Maurice, on va voir l'arrivée d'un personnage très important, Pierre Poivre, que Louis XV et Choiseul vont envoyer à Maurice hein, pour remettre de l'ordre dans la colonie. Pierre Poivre, c'est un naturaliste, un aventurier, un administrateur. Et sa lettre de mission est particulièrement intéressante. Dans la lettre de mission de Pierre Poivre, qu'il a écrite lui-même, il est indiqué que l'un de ses rôles hein, va être, je cite, « de restaurer les pluies de l'île ».« Restaurer les pluies de l'île ». Et là, on a vraiment la trace, pour la première fois peut-être, d'une anxiété. La dégradation des forêts de l'île Maurice, de l'île de France, aurait-elle pu dégrader les pluies au point qu'on veuille les restaurer? C'est la thèse de Pierre Poivre, dès les années 1760, lorsqu'il est à Lyon et qu'il donne des conférences sur le climat qui pourrait être dégradé à l'île Maurice. Et lorsqu'il arrive sur place, effectivement, comme administrateur, il va mettre en place une politique forestière vigoureuse avec des réserves forestières, avec l'obligation pour les colons de laisser boiser ou de reboiser un quart de leur concession, avec des régulations des feux. Et c'est la raison pour laquelle Richard Grove, dans son livre assez influent, The Green Imperialism, avait dit que Pierre Poivre était comme le premier environnementaliste. La thèse historiographique de Grove, très influente dans, en tout cas dans le champ de l'histoire environnementale, c'était de dire que voilà, l'environnementalisme n'est pas né aux États-Unis, dans les parcs naturels, dans les années 1850, 60, 70, mais que cette sensibilité écologique, elle est née, disait Grove, hein, dans les colonies insulaires françaises et britanniques de l'océan Indien et de l'Atlantique, à l'époque moderne, au XVIIe, au XVIIIe siècle. Donc c'était un shift historiographique très important. Et ce que faisait Grove, c'était de dire, voilà, Pierre Poivre, c'est peut-être le premier environnementaliste. Alors Grove le décrivait comme un disciple de Rousseau, un visionnaire, quelqu'un qui avait su, dans le micro-monde insulaire de Maurice, hein, voir hein, le rapport entre les forêts et le climat. Et Grove insistait aussi beaucoup sur l'amour hein, de Poivre pour les pensées orientales, l'influence de la Chine, l'influence du holisme, de la pensée totale chinoise sur sa vision du monde. Alors nous, on a une autre vision hein, avec Jean-Baptiste de Pierre Poivre, une vision un peu différente. Il nous semble qu'il est très important effectivement pour le basculement vers l'anxiété climatique. Mais pour nous, ce qui est plus important, c'est peut-être le rôle géopolitique en fait qu'il a signé au climat. Parce que si Poivre est nommé à l'île de France en 1767, c'est parce que on est après le traité de 1763, traité de Paris, qui est un désastre pour la France, parce que la couronne veut se débarrasser de la Compagnie des Indes Orientales à Maurice, parce qu'il doit venir là, parce qu'il vient là avec des idées en tête, des idées de reconquête. Il veut faire de Maurice un arsenal militaire dans l'océan Indien pour aller attaquer les Britanniques en Inde. Alors il arrive là et il dénonce hein, les hommes avides et ignorants qui ont dégradé les forêts. Ces hommes avides et ignorants, ce sont les personnes que la Compagnie des Indes Orientales avait placé comme colon. Il veut reconstituer effectivement le climat de l'île, il veut protéger les forêts, et les raisons qu'il a sont en fait des raisons moins romantiques qu'il n'y paraît. Qu'est-ce qu'il veut faire? D'abord, beaucoup de forêts signifie beaucoup de bois pour l'arsenal naval hein, que Grove veut installer à l'île de France. Et puis ça signifie aussi, dans une lignée buffonienne, hein, créer un climat parfait. Un climat parfait pourquoi? Pour la colonisation de l'île de France, parce que Poivre appelle des laboureurs venus de France. Pourquoi implanter des laboureurs à l'île de France? Pour qu'ils deviennent, dit Poivre, des défenseurs redoutables de l'île. Donc l'idée c'est de coloniser cette île, de créer, de restaurer le climat de l'île Maurice, de l'île de France, pour installer sur place une population de colons sédentaires, qui pourraient y cultiver du blé grâce à un climat favorable et qui pourraient constituer une base militaire de reconquête.
Donc on a là une vision assez différente. Hein. Je ne dis pas que cette vision doit effacer celle de Gros, mais c'est deux faces, hein, à mon avis, assez importantes du même phénomène. J'ajouterais que là, on a un vrai différent avec Gros, c'est que dans la correspondance de Pierre Poivre qu'on a exhumée à Aix-en-Provence, aux archives d'outre-mer, on voit que Pierre Poivre se moque des Chinois, hein, qu'il considère comme des sots, je cite, parce que leur animisme, hein, les pousse à laisser de l'or sous terre alors qu'ils pourraient l'exploiter, au motif que les esprits protègent certains territoires. En fait, oui, Poivre admire la pensée chinoise. Il admire les Chinois quand, à la tête d'un empire, ils administrent les ressources naturelles avec grande sévérité et dans une optique guerrière. Donc il y a une influence chinoise probablement. Elle est probablement plus sombre, hein, et plus offensive, hein, que l'amour du holisme et de l'animisme oriental. Alors Poivre vit sur l'île en compagnie d'un personnage important de littérature française et du romantisme. Bernardin de Saint-Pierre, qui est ingénieur des ponts et chaussées, qui passe 2 ans à l'Île-de-France pour faire de la fortification, et qui, à son retour, va, dans un livre influent, Les études de la nature, écrire ceci. Que se passe-t-il autour des montagnes à l'Île-de-France? Les nuages se détournent sensiblement de leur cours pour s'y réunir autour des montagnes. Et là, ils descendent jusqu'au fond des vallées, le long des lisières de forêt, qui les attirent aussi et où ils se résolvent en pluie. Donc l'idée, hein, de Bernard de Saint-Pierre, qui reprend en fait un discours de Poivre, c'est de dire que les forêts sont importantes parce qu'elles drainent, elles attirent les nuages, elles font que les nuages se résolvent en pluie, que la pluie tombe délicatement en quelque sorte, qu'elle va dans la terre, et que donc les nuages sont des intercesseurs entre le ciel et la terre. C'est vraiment une description d'un cycle de l'eau, hein, qu'on retrouve sous la plume d'autres auteurs naturalistes à la même période, mais l'arbre, chez Bernard Saint-Pierre, est l'objet d'un véritable éloge absolu. L'arbre, c'est vraiment ce qui dompte, hein, les météores, qui permet à la pluie de ne pas tomber soit très très violemment, soit pas du tout. Ce sont des sortes d'appareils, d'être un régulateur en quelque sorte de la dynamique atmosphérique. Alors, chez Bernard Saint-Pierre, qui est un providentialiste, hein, c'est une preuve de l'existence de Dieu. Bernard de Saint-Pierre, c'est aussi l'anti-Buffon, l'anti-matérialiste, hein, qui a toute une vision du cosmos, hein, basée sur un cosmos nécessaire, créé par Dieu, où les arbres jouent un rôle fondamental comme régulateur des climats. Et ce que fait Bernard de Saint-Pierre dans les études de la nature, de fondamental, c'est qu'il importe ça en Europe, en disant, regardez, il dit, c'est pour avoir détruit une partie des arbres qui couronnaient les hauteurs de cette île, Île-de-France, qu'on a fait tarir la plupart des ruisseaux qui l'arrosaient. Je rapporte à la même imprudence la diminution sensible des rivières et des fleuves dans une grande partie de l'Europe. Et donc ce livre, qui paraît en 1784 à Paris, vraiment nous dit aussi que si on coupe les arbres en France, on va dégrader le cycle de l'eau et le climat de la France elle-même. Alors 1784, c'est pas anodin du tout. En 1784, le prix du bois en France était multiplié par 4. C'est une des grandes crises énergétiques du XVIIIe siècle. Et donc le livre de Bernard de Saint-Pierre paraît à un moment d'intenses débats sur la dégradation des forêts. Il y a un contexte de réception qui est vraiment fondamental et qui va faire que Bernard de Saint-Pierre va être très largement connu en France. Mais alors, cette question du changement anthropique, ces anxiétés naissantes pour le changement climatique, hein, elles sont pour l'instant cantonnées dans les cercles naturalistes, dans les cercles coloniaux, dans les cercles de l'administration. Et ce qui va vraiment provoquer la politisation à outrance, hein, de la question du changement climatique dans la société française, c'est un événement d'une toute autre ampleur. C'était un événement, même plus qu'un événement, un processus fondateur, la Révolution française. La Révolution française, c'est vraiment le moment de la grande politisation de la question du changement climatique dans le contexte français. Avec, comme on va le voir, des interventions à l'Assemblée nationale, de l'expertise au sein des ministères, des échos médiatiques, une politisation vraiment très intense de ces questions. Alors c'est lié évidemment à ce qui se passe avec les forêts au moment de la Révolution. C'est très compliqué et c'est assez fondamental. Je vais juste rappeler que on a, dès 1789, la suppression des juridictions forestières, notamment la suppression de la maîtrise des eaux et forêts, qui était le cœur de la régulation forestière depuis au moins Colbert. On a aussi, en 1789, la confiscation des biens du clergé. Confisquer les biens du clergé, c'est simplement transférer 1 million
hein, 1 million d'hectares de forêt dans les mains d'un État pour qui c'est en quelque sorte la première forme de domanialité nationale. Puisque la domanialité d'Ancien Régime est de toute autre nature. Et puis, en 92, c'est la confiscation des biens des nobles émigrés. Et là, encore énormément de forêts qui arrivent dans le domaine de la nation. À cela s'ajoutent bien sûr les forêts royales elles-mêmes, qui sont incorporées. Et c'est donc un immense mouvement foncier, forestier, mais quelque chose d'immense. Hein, alors c'est difficile d'estimer tout ça, mais c'est de 10 à 20% de la forêt française qui va changer de main. En même temps, on dérégule. Alors deux grandes questions vont se poser au moment de la Révolution. Deux grands enjeux vont focaliser les débats sur la forêt et le climat. D'abord, il y a une mise en accusation par les révolutionnaires. C'est la féodalité qui a dégradé les climats de la France. La féodalité a dégradé les climats de la France parce qu'il y avait la vénalité des charges, les charges s'achetaient, d'où des incompétences. Du fait de l'amour de la guerre, de la monarchie, de son incompétence, eh bien les forêts de la France ont été dégradées. Et là, j'ai mis une citation, hein, « La fureur économiste des défrichements », alors là, c'est une mise en cause hein, des physiocrates qui avaient influencé les politiques royales, « La fureur économiste des défrichements a détruit ces instruments physiques et conservateurs de la température du pays, les arbres. » Et ça, c'est Coupé, le député Coupé, qui le dit à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que cela va créer? Eh bien, le chimiste Berthonnet nous le dit, « La France va devenir comme des déserts brûlants de l'Asie, de la Grèce, qui jouiraient encore d'une heureuse température si la tyrannie et l'ignorance la plus barbare n'en avait pas fait disparaître les bois. » Donc là, on a là vraiment une accusation typique hein, de la Révolution, la tyrannie, l'ignorance de la féodalité de l'Ancien Régime, qui risque de faire de la France l'Arabie. Et on a là l'horizon hein, de la collapsologie buffonienne. La France pourrait devenir égale à ces terres, à ces nations à demi-civilisées où la terre a disparu sous la sécheresse. Alors que faire hein, toutes sortes de propositions. Le député Boncerre lui propose d'envoyer les gros ouvriers parisiens partout en France pour les faire reboiser. Et ainsi, pense-t-il, on pourra changer le climat, remettre la terre en commerce avec le ciel, remettre en action les météores et les multiplier. Et on pourra dans le même temps résoudre un problème à la fois d'ordre public, occuper les gros ouvriers parisiens et puis combattre la pauvreté, le paupérisme. Alors l'autre dimension fondamentale de cette histoire, ce sont bien sûr les questions des biens nationaux. Que faut-il faire des biens nationaux? Pour certains, il faut les vendre, car ils disent que les propriétaires sont les mieux à même de gérer leur propriété. Et on est au moment hein, de l'émergence de la notion de propriété individuelle et exclusive que la Révolution va consacrer. Et donc la figure du propriétaire est fondamentale dans cette histoire. D'autres disent au contraire que si on vend les forêts nationales, c'est une sorte de trahison, hein, c'est trahir la Révolution, c'est dilapider le bien commun. Et c'est donc un crime hein, au regard du processus révolutionnaire. Alors, les discussions sont très virulentes, hein, d'autant qu'il y a un grand problème, malgré tout, ce qu'il faut financer les guerres révolutionnaires. Et donc, il faut financer la guerre. Financer la guerre, comment? Certains le proposent en vendant en masse les forêts. Alors c'est dans le cadre de ce débat hein, que Rougier de la Bergerie, grand personnage, un personnage très important de la fin du XVIIIe siècle, un administrateur et un naturaliste, va intervenir en mars 1792 et il cite quasiment Bernardin de Saint-Pierre en mettant en cause dans son observation sur la question de l'aliénation le devenir possible de la France et en mettant en garde, hein, des millions d'hommes ont disparu avec l'assèchement, avec l'épuisement et l'assèchement de la terre en Égypte, en Perse, en Arabie. Encore une fois, la figure de l'Orient. Donc il met en garde, il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait aux forêts nationales. Alors, Rouget de la Bergerie conclut de façon assez étonnante hein, qu'il faut les vendre, parce que sa thèse est que les propriétaires gèrent mieux les forêts que l'État. Mais en général, l'argument du changement climatique, de façon très très écrasante, est en général utilisé pour justifier la régulation. Rouget de la Bergerie, ici, est plutôt une exception. C'est quelque chose qui va se poser, on va le voir, de façon récurrente. Quelles sont les limites qu'on peut mettre à la propriété privée? Quelle est la définition qu'on doit avoir de la domanialité publique forestière? Sachant que la forêt n'est pas quelque chose comme une mine ou un champ. La forêt est la chose qui maintient le climat du pays en équilibre. Et donc ce bien commun, est-ce que le fait de conserver ce bien commun ne justifie pas des limites mises à la propriété et une extension de la domanialité? C'est ça le cœur des débats. En fait, le cœur des débats lie en fait la question forestière.
la question climatique et la question de la propriété. Je suis allé un petit peu trop vite. Au final, il n'y aura pas de vente en masse des biens nationaux. On va simplement vendre ce qu'ils appellent des boqueteaux de forêt. Ce sont quand même des forêts de moins de 40 hectares, quand même des gros bouts de forêt. Mais ce n'est pas la liquidation en masse des biens nationaux ou des forêts nationales. Donc on va avoir une sorte de victoire du camp de ceux qui pensent que les forêts nationales doivent être sauvegardées. Donc la révolution, c'est vraiment le moment de bascule, de politisation avec des grandes discussions sur l'héritage environnemental de la monarchie, de la féodalité, la question de la domaniabilité et de la propriété, et la question qui va se reposer aussi de qui est légitime à posséder les forêts. Sous la Convention, ce débat, je n'ai pas le temps de m'y arrêter trop, va continuer à être très, très virulent, sous l'Empire un peu moins, et c'est vraiment au cours de la Restauration que de nouveau, la question du changement climatique va devenir très 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 sensible en France, dans un contexte tout à fait particulier. Et c'est ce volcan que vous avez déjà peut-être vu, dans le contexte post-Tambora. Alors en avril 1815, le volcan Tambora sur l'île de Sumbawa, à l'est de Java, explose, rayant de la carte trois petits royaumes, 50 000 morts à peu près, pense-t-on. Il projette dans l'atmosphère des poussières qui vont changer le climat planétaire pendant près de 2 ans. Les composés partent dans l'atmosphère et créent des désordres. Ça a été bien étudié par le livre de Wood qui s'appelle « L'année sans été », qui explique l'impact global de cette explosion du Tambora. Alors, cet impact global, il va être dramatique. Mais il a aussi des conséquences connues plus légères, comme par exemple le fait que William Turner peut dans ses années peindre dans ses carnets des ciels rouge-orangés créés par l'expulsion des composés soufrés dans l'atmosphère par le Tambora. Les ciels orangés de ces années 1816 et 1817 sont connus, on les retrouve dans des tableaux, dans des représentations, dans des témoignages. Mais on a aussi des crises de subsistance à l'échelle globale en Chine et en Europe, où 1817 est considéré comme la dernière grande crise de subsistance à l'échelle européenne. C'est le pic, par exemple, d'immigration suisse vers l'Amérique. C'est le moment où on a des cas d'anthropophagie dans les vallées suisses. C'est le moment où, en juin 1817, on est obligé, Louis XVIII est obligé d'envoyer la troupe à Château-Thierry parce qu'on pille le marché. Les prix des blés sont trop élevés. On attaque les cargaisons de blé qui partent des régions productrices de céréales pour aller vers Paris. L'ambiance est insurrectionnelle. D'autant que Louis XVIII a choisi de ne pas rentrer dans son rôle traditionnel de roi nourricier pour défendre le marché et le prix comme indicateur de l'état de la ressource. En juillet 1817, la Gazette de Lausanne écrit « Jamais l'existence civile des nations n'a paru plus liée à leur existence physique. » Voilà, on peut incriminer les taches solaires, on incrimine le débâcle des glaces polaires, on incrimine une perturbation de l'axe de la Terre. On s'inquiète d'être rentré dans un changement climatique irréversible et destructeur. L'ami de la religion et du roi, en août 1816, écrit « On a beaucoup parlé ces derniers temps de la fin du monde. Peut-être le dérangement extraordinaire des saisons y a-t-il contribué ?» Et le journaliste de ce journal Ultra suggère que ce désastre est la conséquence de la révolution. Il faut se repentir de la révolution. Plutôt que chercher des motifs rationnels ou politiques à ce désastre. Dans cette ambiance de fin du monde, le changement climatique va redevenir une question d'État. Et là, on a un mélange tout à fait étonnant entre l'explosion du Tambora, ce que ça induit en termes climatiques, mais aussi l'arrivée d'un nouveau pouvoir, celui de la Restauration, mais aussi le fait qu'on doit payer les conséquences de Waterloo, de la défaite, dans un contexte très particulier où les monarchistes eux-mêmes sont partagés entre les ultras, qui veulent le retour à un ancien régime radical, et puis les monarchistes libéraux, qui veulent adapter en quelque sorte la monarchie à la modernité et qui sont très proches de visions, disons, libérales au sens économique du terme. C'est quand même cruel pour les gouvernements de la Restauration. Les gouvernements de la Restauration ont une tâche cruelle, rembourser les dettes de l'Empire.
parce qu'ils ont signé un traité qui les oblige à réparer auprès des alliés. Alors, les gouvernements de la Restauration auraient pu choisir de taxer, d'imposer, de faire des emprunts forcés. Le problème, c'est que leur base politique, ce sont les rentiers. Les rentiers qui ne veulent pas de ces solutions et qui ne veulent que la rente d'État soit un rendement, comment dire, un bon rendement, un rendement favorable, et un rendement favorable, et qui veut que l'État rembourse ses dettes. Le choix que vont faire les gouvernements successifs de la Restauration, les gouvernements libéraux, c'est d'essayer de vendre les forêts nationales pour régler les dettes. Ce qui est cruel, car les forêts nationales, je vous le rappelle, sont les biens du clergé qui ont été confisqués, les biens des princes étrangers, mais pas en revanche le bien des nobles émigrés qui sont en train déjà d'être restitués à leurs propriétaires. Mais quand même, les ultras s'unissent en fait autour de cette question. On peut dire que le camp ultra se structure d'ailleurs quasiment autour de cette question, pour refuser qu'on vende les forêts nationales, ce qui est ironique aussi. Pourquoi ils le refusent? Parce qu'ils espèrent qu'on pourrait un jour restituer au clergé et à la noblesse étrangère ces forêts. Donc c'est un débat assez complexe qui va se dérouler notamment dans les enceintes des assemblées. Alors il y a des... Richard, le député que j'ai cité ici, dénonce les aliénations. L'aliénation subite, instantanée, irrévocable de la totalité des forêts est un de ces projets gigantesques semblables à ce qu'on appelait en Révolution des grandes mesures qui devaient sauver la France et qui ne faisaient que consommer sa ruine. Donc il compare l'action des gouvernements pourtant monarchistes avec l'action des révolutionnaires. Et puis il y a une mise en accusation, les ultras mettent en accusation la Révolution. C'est la Révolution qui aurait dégradé les forêts, et pas la monarchie. Et donc on a un renversement et un débat autour de l'héritage écologique de la Révolution. Ce qui est dit par des gens comme Rouget, c'est que seul le clergé et la noblesse a la capacité de projection dans le temps long qui est nécessaire pour gérer la forêt. La bourgeoisie, elle, est court-termiste car elle ne s'inscrit pas dans la généalogie nobiliaire. Et donc là, il y a un discours très intéressant sur qui lie la durabilité, l'inscription dans le temps des généalogies nobiliaires et puis la perception du temps. En fait, qu'est-ce qui est en débat? C'est le fait de qui est responsable, enfin, qui est capable de gérer durablement un écosystème. Là, on retrouve l'écho de questions fondamentales aujourd'hui encore. Il suffit d'ouvrir certaines productions d'ONG ou d'institutions internationales pour s'apercevoir que les pauvres du tiers-monde sont incapables de gérer leur environnement, qu'il faut leur apprendre à gérer cet environnement parce qu'ils sont court-termistes et qu'ils n'ont pas l'expertise pour ce faire. Et donc là, on a une autre forme d'orientalisme, en fait. C'est un orientalisme temporel qui dit que la durabilité est dévolue à certaines personnes, mais pas à d'autres. Alors Chateaubriand, c'est la plume la plus brillante des ultras. Chateaubriand prend la parole, député à l'Assemblée nationale, et nous dit, un peu avec emphase, il dénonce les aliénations, il dit « Partout où les arbres ont disparu, l'homme a été puni de son imprévoyance. Je puis vous dire mieux qu'un autre, messieurs, ce que produit la présence ou l'absence des forêts, puisque j'ai vu les solitudes du vieux monde où la nature semble naître, et les déserts de la vieille Arabie où la création paraît expirer. » Et donc là, on a encore la grande figure de la collapsologie. Cette fois-ci, si on ne réinstalle pas la monarchie, la France va devenir encore une fois un désert, va devenir encore une fois l'Arabie. Alors il n'empêche, 170 000 hectares de forêts vont être pour le coup aliénés par les gouvernements de la Restauration. Ce n'est pas les révolutionnaires qui aliènent les forêts nationales, ce sont les gouvernements successifs de la Restauration, ce qui est, je répète, assez ironique. Mais tout ce moment-là, c'est donc un moment de politisation intense, un deuxième moment de politisation intense, mais qui n'est pas seulement un moment qui se joue dans les assemblées nationales, dans les couloirs des ministères. C'est aussi le moment où on a vraiment une médiatisation intense de la question du changement climatique. On l'a vu tout à l'heure avec les gazettes, l'ami du roi, la religion. Il y a aussi un personnage dont avait parlé aussi Caroline Ford dans son livre, qui joue un rôle important dans cette histoire, qui est François-Antoine Roche, qui va être le grand prophète de l'alerte climatique sous la Restauration. François-Antoine Roche, c'est un personnage assez étonnant, un ingénieur des ponts et chaussées, encore une fois, qui, dès 1792, avait écrit au président de l'Assemblée nationale pour le mettre en garde contre l'aliénation des forêts. François-Antoine Roche, qui en 1802, on avait appelé à Napoléon, dans un livre, « L'harmonie hydro-végétale et météorologique », en appelant à Napoléon, en lui disant « On doit restaurer les climats de la France, et pour ça, vous devez, vous, Napoléon, reforester le pays. »
Alors pour Roche, Roche est très influencé par Bernardin de Saint-Pierre. Il dit d'ailleurs dans ses correspondances que Bernardin de Saint-Pierre, il l'a connu. Bernardin de Saint-Pierre qui était aussi un ingénieur des ponts et chaussées. Or, on ne sait pas si c'est réellement vrai, on n'a pas trouvé d'indice avec Jean-Baptiste d'une rencontre, une interconnaissance. Peu importe, en tout cas ce qui est sûr, c'est que la vision rochienne de l'arbre et du climat est vraiment inspirée par Bernardin de Saint-Pierre, avec cette idée que les climats sont régulés par les arbres. Et Roche a des très beaux passages sur le fait que si on coupe trop les arbres, eh bien la glace va se concentrer en haut des montagnes, la glace va se concentrer au pôle, et que ces glaces polaires des montagnes vont tout envahir, vont tuer en quelque sorte toute vie sur Terre. Donc on a aussi une vision noire du futur, et on a aussi encore une fois une épistémologie globale, une pensée planétaire du changement climatique. Alors en 1818, Roche publie un livre appelé « La régénération de la nature végétale » dont le sous-titre est assez intéressant. « Recherche sur les moyens de recréer dans tous les climats les anciennes températures et l'ordre primitif des saisons par des plantations raisonnées. » Donc il y a vraiment l'idée de restaurer la France. En 1821, il lance un journal entièrement consacré à la question du changement climatique anthropique, les Annales européennes, qui vont paraître pendant plusieurs années. Et où il reproduit ces images. Alors voilà la France selon Roche à l'heure où il parle. Alors on voit très peu de forêts, des montagnes très déboisées, ça c'est un point fondamental parce que depuis Bernardin de Saint-Pierre, le rôle des forêts de montagne est particulièrement pointé dans la régulation climatique. On voit ces montagnes dénudées. On voit ce bétail comme ça qui est laissé en vaine pâture. Et ça, c'est un point important, c'est vraiment l'idée que parce qu'on a beaucoup d'espaces communs, beaucoup de communs, de commons, pas assez de propriétés, tous ces animaux-là dégradent la forêt et donc dégradent le climat. Et donc ils ne sont pas là par hasard, tous ces animaux. Et puis il y a ces pêcheurs au premier plan qui ne trouvent plus rien dans leur filet parce que le changement climatique a créé aussi une raréfaction des ressources en poissons. La terre toute entière est malade, d'après Roche. Alors qu'est-ce que ça pourrait devenir? Alors évidemment le pire, c'est-à-dire cette image, les derniers restes de Babylone, la France pourrait devenir comme ces derniers restes de Babylone. Heureusement, Roche a un projet pour la France, sa restauration, sa régénération, grâce à quoi, on le voit très bien sur cette image, au fait de replanter les arbres sur les montagnes, sur le bord des rivières. Et on voit derrière, je trouve ça assez intéressant, on voit un troupeau bien ordonné, bien un troupeau de moutons cantonnés. Et pas laissé comme ça en vaine pâture, il y a un message aussi dans cette image. Et puis au premier plan, ce qu'on appelle l'alevinage, c'est le fait de remettre dans des rivières de petits poissons pour recréer une vie. Donc c'est vraiment une opération de restauration climatique et écologique à laquelle appelle Roche. Et la France pourra enfin redevenir cette Arcadie bucolique, poissonneuse, giboyeuse et forestée. Alors c'est une médiatisation donc par l'image, par les livres, par les revues. Mais ce n'est pas tout, il y a vraiment une action aussi publique qui va à cette époque viser le changement climatique. Et c'est d'ailleurs l'origine de notre enquête, le fait d'avoir découvert il y a plusieurs années maintenant, dans les archives de Météo France, un étrange carton recélant les résultats d'une enquête lancée en 1821 par le ministère de l'Intérieur. Enquête qui posez simplement la question suivante. Est-ce que le climat de votre département a changé depuis 30 ans? Demandait-il au préfet. Depuis 30 ans, 1821-30, depuis la Révolution. Une enquête donc sur le changement climatique causé par l'homme, puisque le questionnaire demande aussi si les forêts, la déforestation pourraient être la cause. Un questionnaire sur le changement climatique lancé en plein 19e siècle par un ministère de l'Intérieur. C'était l'étonnement de départ, en fait, de notre enquête. Alors c'est Élie Decazes, un chef de gouvernement, ministre de l'Intérieur, qui initie cette enquête à la suite d'un hiver terrible, celui de 1819-1820, qui est connu par les Provençaux, parce que tous les oliviers de Provence sont morts lors de ce grand hiver. Et Decazes réagit, en fait, dans une ambiance aussi de fin du monde, dans le siège du Tambora, en lançant l'enquête. Il lance l'enquête, alors c'est assez subtil, c'est une manœuvre en fait, politique assez subtile. Pourquoi est-ce que Decazes lancerait une enquête sur le changement climatique ? Sachant que lui-même promeut les aliénations. Et que donc, on pourrait l'accuser d'être à l'origine du changement climatique, puisque lui, il promeut la vente des forêts.
En fait, c'est un peu subtil. Ce que va faire De Caze avec ça, c'est pointer en fait des responsabilités alternatives pour le changement climatique. C'est de dire premièrement que c'est la révolution qui est en cause. Et le questionnaire insiste sur le fait qu'on lui demande à quantifier les évolutions depuis 30 ans. Et puis c'est aussi le fait d'insister beaucoup sur le rôle des montagnes. Or, les aliénations des forêts nationales n'ont jamais concerné les forêts de montagne. Et donc en fait, ce qui fait De Caze avec ce questionnaire, c'est pointer d'autres responsables. Ces responsables, ce sont les montagnards qui, avec leurs communs, leurs troupeaux, leur agro-pastoralisme, ont dégradé les forêts de montagne et ont créé le changement climatique. Donc c'est une manœuvre assez subtile, mais qui va générer, pour l'historien, l'historien que nous sommes, une masse de mémoires. Les préfets ont demandé aux sous-préfets, aux maires, aux propriétaires, aux professeurs des lycées. Ils ont demandé aux vieillards, ils ont questionné des vieillards. Parfois, ils sont allés dans les archives des préfectures. Ils sont allés chercher des sources fiscales. On trouve des traces d'ingénieurs des ponts et chaussées qui vont chercher, par exemple, à savoir si est-ce qu'il n'y aurait pas eu des taxations sur des vignes dans des endroits où les vignes n'existent plus. Et ils en trouvent, et on trouve là l'origine d'un des grands outils de la climatologie historique qu'on appelle le diagnostic par les bancs de vendange, le fait de voir comment la culture du vin évolue sur un espace donné en fonction du climat et de reconstituer ainsi le climat. Donc on a une production incroyable, assez folle. Alors on n'a pas trouvé, nous, on n'a pas trouvé comme Carlo Ginzburg le Menocchio qui nous donnerait la vision du monde de son époque. On n'a pas l'Inquisition ni le Menocchio, mais on a ces sources qui nous parlent de la vision du changement climatique par des petites élites provinciales au niveau des petites villes de la France tout entière. 61 réponses départementales avec un grand consensus. Il y a très peu de fixistes, tout le monde dit qu'il y a un changement. Il y a quand même le maire de Méreuil dans les Bouches-du-Rhône qui se moque dans ses lettres de ces hommes qui croient que la nature marche aussi rapidement que leur esprit conjecturel. Donc qui se moque de ces gens qui pensent que la nature change sans cesse. Par contre, on n'a pas de tendance, c'est-à-dire que ce qui domine, c'est l'idée que les saisons changent, que les choses sont plus erratiques, plus variables, que le cycle de l'eau est perturbé. On a beaucoup l'influence, on voit l'influence de Bernard de Saint-Pierre, de Buffon, de Roche, à cette échelle provinciale, avec des reprises, des mêmes termes, qui sont parfois cités. Mais pas de consensus sur un changement des températures vers le plus chaud, vers le plus froid, de manière massive. Et ce qui est frappant aussi, j'ai pas trop le temps de m'y arrêter, parce que je suis un peu sur... J'ai un peu traîné, c'est aussi le fait que le caractère global. Le préfet des Landes s'interroge sur les défrichements américains qui auraient pu avoir un impact sur son département. Le préfet de Vendée, les préfets de Vendée des Deux-Sèvres parlent des glaces polaires. Le préfet du Loir-et-Cher essaie d'estimer les déboisements européens depuis la Gaule. 900 millions d'arpents, dit-il, ont été défrichés causant la transformation du climat. Donc à cette échelle-là aussi, ce n'est pas seulement sous la plume de Buffon que la planète est un objet pour le changement climatique. Et puis, la fin de cette enquête, c'est en février 1824, l'Académie des sciences qui rend une sorte de rapport queue de poisson, on pourrait dire en français, c'est-à-dire qui ne conclut pas, parce qu'en parlant de la diversité des réponses, qui ne permet pas de conclure. Et le gouvernement enterre l'enquête, pourquoi? Parce qu'entre-temps, le gouvernement est devenu ultra. Il n'a aucune raison de mettre en avant cette enquête qui avait été lancée précisément comme une manœuvre politique par De Caze. L'enquête rejoint les archives de Météo France, on l'a retrouvée 200 ans plus tard, avec une certaine surprise. Alors la monarchie de juillet va, j'ai pas le temps d'en parler, mais va continuer à être un grand moment de débat par la suite sur le changement climatique, jusqu'à une période post-1850 où on a vraiment ce qu'on appelle avec Jean-Baptiste l'entrée dans l'Holocène, avec une sortie, une évacuation de la question du changement climatique anthropique. On va vraiment rentrer dans un monde de l'Holocène, c'est-à-dire un monde de déconnexion entre les sociétés et les climats, avec des sociétés qui pensent que les climats sont une toile de fond fixe. Il y a un certain nombre d'arguments qui expliquent cela. C'est notamment la reconfiguration de la propriété forestière en France, le fait que la forêt croît dans la deuxième partie du XIXe siècle et ne semble plus menacée. Le fait aussi fondamental à notre sens, qui est l'irruption du train, qui permet de découpler en fait les conditions météorologiques locales de la production alimentaire. Auparavant, une catastrophe locale, ça pouvait être immédiatement une catastrophe, une disette. Avec le train, c'est la fin de ce que les historiens, en tout cas ruralistes français, appellent l'ancien régime agricole. On sort, qui dure jusqu'en 1850, on sort d'une période où ça peut être une catastrophe. Pourquoi? Parce que le train va amener du blé d'ailleurs.
le cas échéant, des bateaux à vapeur feront venir du blé américain ou russe. Et donc on a une espèce de contraction de l'espace-temps des flux de céréales qui fait qu'on a une déconnexion entre climat et subsistance. Un autre espace va être le lieu d'expansion de la rationalité du changement climatique en vue de domination. Caroline et Diana Cadavis ont bien parlé de ça dans leurs écrits. Hein. Le changement, la colonisation du Maghreb par les Français est présentée par les colonisateurs comme une restauration climatique, avec l'idée que les Arabes sont, comme je l'ai mis en titre, hein, l'Arabe est l'ennemi de l'arbre. Ça, c'est une citation d'un colon français des années 1860. Ils auraient, ces Arabes, hein, créé le Sahara. Le rôle des Français est de restaurer ce pays pour en refaire le grenier de Rome, hein, de l'Antiquité. Alors, voilà, je vais peut-être conclure comme ça pour vous dire que bah, ce talk, hein, cette présentation, c'est une recherche que j'ai donc fait avec mon collègue Jean-Baptiste Fressot, donc il n'est pas là aujourd'hui, donc je le représente, et c'est la substance, hein, une partie de la substance d'un livre à paraître au Seuil en 2020 sous le titre Les Révoltes du Ciel et chez Verso Books à Londres en anglais, j'espère en 2020. Il paraîtra, c'est sûr. Est-ce que c'est en 2020? Ça dépend du traducteur. Et je vais finir en vous remerciant. J'espère que j'ai été compréhensible.